venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desarmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré y llora, 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 llora. Marie, je peux entrer? Oui, mon Pierrot. Tu as parlé à tes parents de notre mariage? Marie, on ne peut pas se marier. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas? Bien sûr que oui, beaucoup. Mais avant, on doit mieux se connaître. Mais le peu que je connais de toi, c'est ce dont j'ai besoin pour t'adorer, mon Pierrot. Viens. C'est que... ce n'est pas suffisant. Je ne sais même pas quel est ton parfum de glace préféré ou quelles sont tes aspirations. Mais moi, je veux être avec toi, c'est tout ce qui m'importe. Et ça m'émeut beaucoup, mais l'amour, ce n'est pas seulement si tu vis ou respires pour moi. Tu dois être heureuse pour toi, et ensuite tu partageras ton bonheur avec moi et le mien avec toi. Tu comprends? Alors tu ne veux pas qu'on se marie? Je vais aller voir ta grand-mère et lui expliquer ce qui se passe ici. Mais je peux pas rentrer chez moi. Ma grand-mère me le pardonnera pas. Non, non, non. Je vais parler avec Laetitia. Et si j'ai une longue liste de choses à faire pour qu'elle te pardonne, alors je les ferai. C'est pas si facile, Pierrot. Tout va bien se passer, je te le promets. Je prépare le petit déjeuner et on y va. Je ne m'attendais pas à vous. Je ne marche pas sur les gens. J'espère que vous vous en souviendrez quand vous sortirez d'ici. Est-ce que je vais sortir? Les avocats se chargent de vous libérer. Ne les laissez pas m'emmener en prison. Calmez-vous. On va payer l'amende pour avoir levé les scellés. Vous sortirez. Les avocats m'ont expliqué que vous devrez faire entre 30 et 100 heures de travail pour la communauté. Quoi? Mais je refuse de faire ça! En plus, Octavio va m'aider. Vous devriez être reconnaissant qu'il vous aide avec ses avocats après ce que vous lui avez fait. C'est lui qui me l'a suggéré. C'est lui qui a suggéré ma candidature. Il sait que je vais être le prochain maire. Après le scandale causé par votre faute, mieux vaut l'oublier. Vous voudriez me voir mort, c'est ça? Mais on verra quand je sortirai d'ici. Par votre faute, l'usine continue de contaminer. Ensuite, vous avez enfreint la loi en levant les scellés. Vous n'avez aucune intégrité morale pour être candidat et sûrement pas maire. On verra quand je sortirai. Vous ravalerez vos paroles. Eh bien, bonne chance. Fiston! Tu veux parler de Marie? Peut-être que je peux te donner un petit conseil. Ne te vexe pas, papa, mais tu es la dernière personne à qui je demanderai un conseil sur une femme. Ah, merci de ta confiance, fiston. D'accord, je vais te raconter. Alors, qu'y a-t-il? Écoute, tout mon problème, c'est que Marie meurt d'envie de se marier et moi non. C'est normal. Pas mal, Pierrot. Courtiser une fille et l'éviter quand il s'agit de mariage, c'est dans la famille. Demande à ton papa. Je crois que ta copine essaie de te dire quelque chose, papa. D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Écoute, je comprends que Pierrot ne veut pas se marier parce qu'il est très jeune. Mais c'est injuste de sa part de passer la nuit avec Marie en sachant qu'elle vient d'une famille à l'ancienne. Par pitié, écoute, si mon fils se marie, ce n'est pas pour remplir ses idées archaïques, absurdes, idiotes et rétrogrades. Même si ça te dérange? Marie a été éduquée ainsi, et peu importe à quel point tu es moderne, tu ne vas pas changer le fait que sa famille va la rejeter et la verra comme une fille facile. Oh, attends. De quoi est-ce que tu parles? Tu n'en sais rien. Bien sûr que je sais. Ah oui, et qu'est-ce que tu sais?
Pour mon père, j'étais morte quand je lui ai dit que je vivais avec toi sans être mariée. Et pourquoi tu n'as jamais rien dit? Louise, j'espérais que tu te déciderais. Mais il y a eu Myriam et c'était si facile de me dire que c'était fini entre nous. Attends, écoute, vraiment, je pensais que le mieux serait que tu trouves quelqu'un de ton âge et que tu oublies tout ça, tout. Je suis restée par amour. Oh, allez. Et aussi parce que j'avais nulle part où aller. Tu crois que je vis ici avec d'autres femmes par envie? Hein? Quelqu'un t'a dénoncé par téléphone pour que les autorités t'arrêtent. Comme c'était anonyme, on ne peut pas savoir qui c'était. Ça n'aurait pas pu être toi juste pour me poser des problèmes? Je ne peux pas croire que tu me suspectes. Tu sais que je t'ai toujours aidée. Moi aussi. Ne l'oublie pas. Je me suis chargée de contacter les gens qui sont nécessaires pour que tu ouvres bientôt. J'ai besoin que tu me donnes de la motivation. Oh non! Oublie ça, mon fils s'en occupe. Je n'ai plus rien à te dire. On doit parler d'Edgar. Après ce scandale, il n'a aucune chance d'être maire. Qu'est-ce que tu proposes? Que tu me soutiennes pour me présenter en tant que maire. Jamais de la vie. Je ne proposerai une femme pour être maire de ce village. Et à qui penses-tu alors? À Germaine? Tu penses que s'il gagne, il fera ton sale boulot? Tu verras le moment venu. Ce que je vais te dire, c'est que jamais, écoute-moi bien, jamais, ce sera une femme. N'oublie pas que cette femme est celle qui t'a aidé à monter ton entreprise. Ne commence pas avec ton machisme ridicule. Si tu as terminé, va t'occuper de ton mari. Fais attention, Octavio. Tu me sous-estimes. Ça pourrait te coûter cher. Passe le bonjour à Laetitia. J'ai pensé que c'était mieux que je parle à Pachita. À ce que je sache, tu n'es pas sa personne préférée. Hé, hey, je t'assure que Pachita est comme toi, mais en version vintage. Hé, hey, Fernanda. Ça va, Fernanda? On m'a dit que Marie s'est enfuie, je suppose qu'elle est ici. Il faut qu'elle revienne à l'hacienda. Voilà, oui. Pierrot. Oh, Marie est partie. Quoi? Quoi? Elle a laissé cette note, elle part, dit Chamal. Sa grand-mère ne l'a jamais laissé partir. Tout son monde, c'est elle, Primor. Calme-toi, chérie, tu dois garder la tête froide. Pourquoi on ne va pas la chercher? Ah oui, Louis et moi allons voir à l'arrêt du bus. On va à El Primor et peut-être qu'on la verra. Non? Oui. Oui. Bien, je vais. Erasmo, viens. Patron? Je te laisse en charge de tout, s'il te plaît. Je vous écoute, ne vous inquiétez pas. Excusez-moi, vous m'avez pas vu? Pardon, je ne vous entends pas. Je suis désolé, en fait, je crois que c'est moi qui suis à contresens. Enchanté, hein. Je vais reculer et vous passerez. Non, pas du tout. Je crois que j'étais en contresens aussi. Le mieux, c'est que je m'en aille. Non, c'est mon jour de chance. Laissez-moi être un gentleman avec vous. Je vais reculer et vous passerez. Merci. Hein? Vous n'étiez pas en prison? Si, mais c'était un malentendu. Je suis libre et je vais me présenter comme candidat. Ah oui. Alors, on va faire ça, hein? Merci. Oui. Très bien. Octavio, dis à ton lécheur de bottes qu'il ne peut pas se présenter parce que c'est à cause d'une petite chose. Il a enfreint la loi. Ah oui, bien sûr, oui. Malheureusement, c'est comme ça, Edgar. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Peu importe la raison.
Ça ne change rien. Tu n'as pas fait attention et tu t'es laissé attraper. Et toi, si tu voulais te débarrasser de mon champion, oublie ça. Non, pour moi, Edgar était éliminé quand tu l'as choisi. C'est pour ça que je suis venue, parce que je vais postuler. Il vaut mieux t'éviter une honte, Martina. Le leader du parti m'a désigné comme candidat à l'élection. Je suis désolé pour ton fils, mais tu parles avec le prochain maire d'Ishamal. Tu n'es qu'un vaurien, Octavio. Je ne t'avais pas averti. Je t'ai dit de ne pas jouer avec moi. Tu déclares la victoire beaucoup trop tôt. Tu te souviens que pour être le candidat officiel, tu as besoin de l'approbation de la majorité des militants. Mais ce n'est qu'une formalité. J'ai le soutien dont j'ai besoin. Je vais être le candidat de notre parti. Ne te rends pas ridicule en essayant de te battre contre moi. Je te jure sur le Christ crucifié que tu vas regretter de m'avoir mise de côté. Attends, calme-toi. Calme-toi. Si tu te comportes bien, je te donnerai un travail. Plutôt mourir que ça. Plutôt mourir que de ramasser tes restes. Pour que tu ne rates pas l'expérience, aide ton fils dans sa campagne. Même si tu sais qu'il va perdre. On verra ça. Vaut rien. Macho de bas étage. Vulgaire. Cro-Magnon. Hey. Toi et moi, on doit parler. Bonjour, madame. J'ai rendez-vous avec monsieur Vargas Luna. Bienvenue, mademoiselle. Permettez-moi. Merci. Hey, José, comment ça va? Tu m'as manqué. Oui, bien sûr que oui. Tu as donné à David et à moi beaucoup de ton soutien. Merci infiniment. Non, je t'en prie. Ouais. Bonjour. Vous travaillez avec ce monsieur? Je suis Brenda. Enchantée. Je suis Raphaël, hein? Et non, on n'a pas le plaisir de travailler ensemble. En fait, on vient de se rencontrer à l'instant. Et vous travaillez ensemble? Si tout finit bien, bientôt. Peut-être, ouais. Oui. Nous sommes amis de l'université. Ah, d'accord. Bon, je vous laisse. Ravie de vous avoir rencontré. Mon rendez-vous est dans 15 minutes. Lily, offrez quelque chose à Brenda pendant qu'elle attend. Raphaël et moi, on va entrer, oui? Oui, monsieur. Enchanté. 15 minutes, pas plus. Papa? Merci de me recevoir, monsieur. Mon fils a été très insistant. Avant tout, je voudrais m'excuser pour ce qui s'est passé à Carnesmex. Je vous assure qu'un employé de confiance de mon père a agi de sa propre volonté. Et le gouvernement a agi conformément selon la loi. Je le sais. Et je vous demanderai rien d'illégal. Seulement, il y a des denrées périssables et on doit s'en débarrasser. En plus, il est urgent qu'on continue de travailler. Asseyez-vous, je vous en prie. Oui, merci. Écoutez, voici les chiffres de l'usine de conditionnement. Nous avons les employés, la production, les salaires. Voilà. Une entreprise plutôt importante. Oui, et dorénavant, je ferai en sorte qu'on ne contamine plus la rivière. Et comment pensez-vous le faire? Voici le projet en détail. On déploiera un plan avec de nouveaux traitements et les options pour pouvoir utiliser et réutiliser tous les déchets. Les voilà. Ça me semble bien, mais... comment je peux être sûr que vous allez le faire? La loi vous a donné 3 opportunités. Vous ne l'avez pas fait. Bon, eh bien, on emmènera la personne que vous avez désignée avec nous. Pour superviser que tout soit fait dans les règles de l'art. J'aimerais, mais je n'ai pas le budget pour, Raphaël. Mais vous savez, nous pouvons couvrir toutes ces dépenses. Papa, si je devais mettre ma main au feu, c'est pour Raphaël. Et s'il y en a un qui se préoccupe de la pollution et du développement durable, c'est lui. Et selon cet imbécile d'Octavio, le pari va le nommer lui. Mais je le connais très bien, je connais sa portée. Mais de quoi tu parles? Sans aucun doute, il leur a donné de l'argent pour qu'il le nomme. Oh maman, mais comment tu peux dire ça d'Octavio? C'est sûrement parce que le parti du mouvement rural savait qu'Edgar n'avait aucune chance de gagner, et surtout avec ce qu'il a fait à l'usine. Octavio va perdre.
Je vais te soutenir pour que tu gagnes mon amour. T'es sérieuse? Bien sûr. Tu es mon fils. En échange de quoi, maman? Je le fais sans prétention, comme une bonne catholique chrétienne. Je vais te demander un service. Ah, voilà. Ah, je le savais, maman. Quoi encore? Je vais t'aider pour tout, avec l'argent, avec les relations, de la communication. Mais tu arrêtes de voir Clara. Oublie ça. Hors de question, maman. Ce n'est pas contre elle, David. C'est parce que tu dois penser comme un candidat, pas seulement comme un homme. Le plus important, c'est de gagner l'élection. Et une fois que tu auras occupé ton poste, si tu veux, tu te marieras avec cette femme. T'en penses quoi? Ah. Oh. Où est passée cette fille? Oh. Je ne sais pas, chez une amie. Je doute qu'elle ait des amis. Tout son monde, c'est l'hacienda. Oui, elle doit avoir peur que sa grand-mère la rejette parce qu'elle est venue voir Pierrot. Au moins, elle n'est pas enceinte. Parce que notre fils ne veut pas se marier. Je comprends parfaitement comment il se sent. Attends, qu'y a-t-il? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu si pensif? Non, non, rien. Ce sont mes affaires. Tu es en colère parce que je ne t'ai pas répondu si je voulais me marier avec toi? Écoute, je préférerais qu'on en parle un peu plus tard. Tu as changé d'avis? Myriam, arrête. Hypothétiquement, je te dis hypothétiquement, peu importe ce que tu réponds, je ne le prendrai pas de manière définitive, mais... Mais quoi? Tu crois que tu te marierais avec moi une autre fois? J'ai toujours aimé ce défaut chez toi. Tu es si impatient pour tout. Je t'en prie, réponds-moi. Ce chantage, c'est le pire que tu m'aies dit, maman. Pourquoi tu n'apprécies pas ce que je fais pour toi? Tu sais ce que je veux de tout mon cœur. Quoi? C'est que tu ne fasses rien pour moi. Cette candidature est différente de ce que tu as fait pour mon père. Je suis un candidat indépendant et je veux éviter la façon de faire de la politique. Mon amour, ce n'est rien de plus que des bons conseils, un grand soutien. Je sais que j'ai pas de formation politique et que je n'ai pas d'expérience. Non. Mais je suis un citoyen préparé et dévoué pour améliorer mon village. Laisse ce discours romantique pour la campagne, sois réaliste. Sans mon aide, sans l'aide de ton père, tu vas à la guerre sans fusil. Si vous n'êtes pas contre moi, ça me rendrait service. Octavio s'en fiche que tu sois le meilleur ami de son fils. Il va te détruire. Je n'ai pas peur. Et que ce soit clair, pour rien au monde, je ne me séparerai de Clara. On verra les résultats dans les urnes. Et ensuite, tu viendras me féliciter. On dit qu'on sait ce que l'on quitte, mais pas ce que l'on reprend. Et ça me plaît de le croire. C'est la vérité. Tu veux venir prendre une glace ou j'y vais seule? Tu vas y aller seule. Pardon. Bon. Vous avez trouvé ma petite fille? Pour l'instant, non. Mon Dieu, c'est pas vrai. Myriam et Louis la cherchent aussi. On l'a dit à tout le ranch. Pour qu'ils soient attentifs si elle revient, ne vous inquiétez pas. Si ma Marie ne revient pas, ce sera de ma faute. Mais non, elle va revenir. C'est une jeune fille bien et elle sait ce que vous avez fait pour elle. C'est vrai. Faites confiance à votre petite fille, Pachita. Comment elle peut revenir si elle a péché? Pachita, je vous ai dit qu'elle a juste dormi chez moi. Je vous le jure. Ne vous inquiétez pas. Oh mon Dieu, pardon. Ça va. Ce n'est rien, ce n'est rien du tout. Non, ça va, ce n'est rien. Pardonnez-moi, c'est pas grave. Je vais me changer. Asseyez-vous. Vous devez vous calmer. Faites changer. J'ai mis beaucoup de miel, ça doit coller. Merci. Reste ici si Marie revient. Sinon, on ira la chercher encore et encore. Excusez-moi. Oui, vas-y. Chita, ça me brise le cœur de vous voir comme ça. Calmez-vous. Je n'arrive pas à m'apaiser. Vous savez quoi, Pachita? Personne ne va pleurer tant qu'on n'aura pas retrouvé Marie. Allez. Je voulais te parler de la campagne de David. On pourrait peut-être se voir demain et en discuter. Oui, parfait. Ouais.
Bienvenue en ville, monsieur. À plus tard. Salut. À demain. Merci. Avec plaisir. Enchantée. Pareillement. À bientôt. Allô? Oui, je suis sa fille. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Je vous en prie. Comment ça? Bonne journée. Merci à vous. J'arrive tout de suite. Un problème? Est-ce que je peux vous aider? Mon père a eu un accident. Il va mal. Attendez. Vous ne pouvez pas conduire. Vous êtes bien trop nerveuse. C'est moi qui vous emmène. Oui? Oui. Allons-y. Ah, Fernanda. Je suis content de te trouver seule. Pourquoi ça, Octavio? Pour que ce soit clair, je vais te soutenir. Me soutenir? Oui. Pourquoi? En ce qui concerne mon petit-fils. On est tous très perturbés, mais tu peux être sûr que je respecterai toujours ta place. Merci beaucoup, mais... on ne sait pas comment les choses pourront changer si l'enfant... devient plus important que notre relation. Peu importe, aie confiance en moi. Tout le monde va te respecter. Je sais que les choses n'ont pas bien commencé entre nous, mais... tout ça peut changer, non? Pardon d'insister, mais j'aimerais que tu me tutoies. Octavio, je vous l'ai déjà dit, vous vous souvenez? Ce dont j'ai besoin, c'est de beaucoup de temps. Excusez-moi, je dois aller me doucher. Oui, bien sûr, bien sûr. Excusez-moi. Sale macho de Cro-Magnon! Il m'a viré de la campagne électorale! Dommage, tu assouviras tes aspirations politiques à un autre moment. Commence par te séparer d'Octavio. Il a mal parlé de lui, favorise David. Tu sais que je ne peux pas le faire. Si Octavio finit par être maire, dis-toi qu'il ne va jamais être aussi généreux qu'on l'a été avec lui, hein? Oui, je le sais, mais ce que tu me demandes est impossible. On a détourné de l'argent public ensemble, et on n'a pas intérêt à ce que ça se sache. Alors mieux vaut ne rien changer. Un autre whisky ?